Cette compétition. Ce match peut facilement basculer d'un côté comme de l'autre. Et bien délicat d'oser un pronostic. Thomas Lombard. Le coup d'envoi ne devrait plus tarder. Coup de sifflet, c'est parti. Coup d'envoi réceptionné. Et donc voici une pénalité. Ouais, il tape la cage au haut avec un coup au menton. Le numéro 10 va essayer de trouver une bonne touche. Dégagement en touche. Et donc, ils vont obtenir une touche. Picamol gagne ce ballon. Ils ont plus de joueurs dans ce regroupement. Une percussion puissante. Lâché. Contest. Passe le ballon. Il faut s'appliquer sur la passe. Récupéré. Il le fait passer. Ils sont en train de former un groupé pénétrant. Stratégie efficace. C'est un bon maul. Le numéro 3 le récupère à l'arrière du maul. Sologashvili envoie une passe à hauteur. Avantage. Ballon perdu sur cet en avant. Avantage laissé par l'arbitre. C'est mal en travail. Flexion. Ça, c'est fini avec un en avant. Mêlée. Jeu. Ah, introduit le ballon. Bonne poussée des deux packs. Le ballon est jouable maintenant. Obligé de reculer sur cette action. L'équipe de Montauban va avoir le choix et je pense qu'ils vont plutôt choisir la mêlée. Alors, ils vont le jouer au pied, le renvoi. C'est quand même une décision assez curieuse. Abou, il récupère le ballon. Avec du monde à la poursuite de ce ballon. Et on va repartir au 22 pour le renvoi. Renvoi au 22. Belle réception en l'air. Bien joué. Ni vu ni connu, mais j'intercepte. Bien joué. Jolie conservation de la balle. Abou trouve un coéquipier. Malherbe qui gagne quelques mètres avec cette charge. Bien suivi ce ballon. Attention, ce ballon rendu au pied. Avantage. Le ballon sur cet en avant. Avantage terminé. C'est une erreur regrettable aussi près de leur ligne. Il se jette sur ce ballon perdu. Abou le libère. Occasion d'essai. Il est tout près de la ligne. C'est le premier essai du match. Il a pris la bonne décision et une bonne finition leur a permis d'obtenir les points. Occasion de prendre deux points supplémentaires. Il a déjà frappé des coups de pied plus difficiles, mais il prend son temps pour assurer ses deux points supplémentaires. Coup de pied à côté. Il a tout de suite regardé ses pieds parce qu'il savait que c'était raté. Il choisit un engagement long.
Coup d'envoi bien réceptionné. Oui, très bonne interception. Abou assure la passe. Retour à l'intérieur. Avantage. C'est un en avant. Avantage en cours pour eux. Et ce n'est pas le bon côté du terrain pour concéder un en avant. Ils se sont mis la pression. Et il flexion. Pas pu maîtriser le ballon et a fait un en avant. Cela va le contrarier. Ah, il y a un coup à jouer là. Je... Voilà, un bel affrontement en mêlée. Regardez, la balle est sortie. Oh, quel plaquage. Avantage. Plus, c'était les urgences. En avant, ballon perdu. Avantage pour eux. C'était un bon plaquage. Cousteau trouve du soutien. Attention à la passe. Il trouve du soutien. Il met les cannes. Avantage terminé. L'arbitre fait signe que l'avantage est terminé. Beau travail des joueurs dans le rock, ils n'ont rien lâché. On est tout près d'un but. Oui, ils ont toujours le ballon. Brassard libère ce ballon. Quelle mauvaise qualité de passe. Belle interception. Ballon qui peut être récupéré. Et le ballon est récupéré. Nouveau point de fixation. Le ballon disponible dans ce ruck. Jeu au pied, limite cadeau pour l'adversaire. Il récupère le ballon perdu. Maintenant un coup de pied. S'empare du ballon perdu. Est-ce qu'ils ont encore le ballon? Eh bien oui. Abou a le ballon. Il fait la passe. Une bonne grosse percussion. L'équipe de Montauban qui ralentit la sortie du ballon. Il fonce tout droit sur les défenseurs. Le ballon a été chippé. Récupération. Belle récupération du ballon. C'est parfait. Godard. Il y a du soutien avec lui. Il va viser le poteau de coin s'il est assez rapide. Et ils marquent leur premier essai dans ce match. Ils sont de bons enchaînements. C'est un bon résultat. Oh là là, de pas loin de l'essai du siècle. Des performances très solides. La brèche s'est ouverte dès qu'il a commencé à courir. On aurait dit que tout avait été organisé à l'avance. Transformation dans quelques secondes. L'angle est un peu fermé, mais il y a deux points supplémentaires au bout. Transformation réussie. Il passe en tête au score. On doit admirer l'engagement inflexible de nos équipes dans cette partie. Ils se sont parfois éparpillés, mais c'est quand même un match serré. 8 points à 5 à la mi-temps. Eh bien, le score est serré ici à la pause. Sans surprise, c'est un match très équilibré. Bon, on a déjà vu plus de monde, mais ses supporters ne sont pas réputés pour être calmes, alors ça va quand même bouger dans les gradins. Coup de sifflet de monsieur l'arbitre, la seconde période peut commencer. Coup d'envoi bien capté. Transmet le ballon à son coéquipier. Une passe courte pour son partenaire. Aïe, 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 directement en touche. À suivre, touche. Besson prend ce ballon. Ils ont réalisé des touches plutôt propres jusqu'ici. Le troisième ligne côté ouvert fait une passe longue. Il a pris le trou. Attention, il se rapproche de la ligne d'essai. Et il plante son deuxième essai du match. À cette distance, impossible de l'arrêter. Boris. Un essai splendide, quelle action! Il a l'air solide. Ouais, il a très bien joué. Il s'est échappé et personne n'a pu l'arrêter. Il était tout simplement trop rapide. Et la transformation est réussie. Il s'en est très très bien sorti parce que l'angle n'était pas du tout évident. Il prend un avantage très confortable. Et le match qui reprend.
coup d'envoi récupéré. C'est donc une touche. Ballon contré. Il charge, fracasse tout et avance. L'équipe de Montauban. Il essaie de le récupérer au contest. Gounel qui perce. Le soutien est présent. Il y est presque, c'est la ligne d'essai. Et il marque entre les perches. Eh bien, il aurait été impossible de l'arrêter. Et c'est un formidable essai. Quel essai! Une action éblouissante. Ah, il a été très bon. Ah, on peut voir sa vitesse ici, c'est remarquable. Personne n'a pu l'arrêter. C'est une formidable passe qui lui a permis de réaliser cela. Ça passe facile, 2 points de plus. Il avance confortable désormais. Allez, bientôt la reprise. Coup d'envoi récupéré. Ah, il va lui falloir du temps pour reprendre son souffle. Et il récupère le ballon, bon travail. Une belle accélération. Toujours en possession du ballon, je crois. Les joueurs dans le ruck font bien leur boulot et conservent le ballon. Il faut attaquer la ligne. Il fait circuler le ballon. On dirait que le ballon est par là. Ouais, c'est un bon endroit pour lancer l'offensive. Et un crochet. Et le ballon est récupéré. Et ben voilà, il voulait récupérer le ballon, c'est chose faite. Bon boulot pour garder ce ballon disponible. Et il doit le relâcher maintenant. Il opte pour une passe courte. Le numéro 10 a le ballon. Attention à lui. Ah, il va lui falloir du temps pour reprendre son souffle. Et voilà le ballon. Deschi récupère ce ballon tout droit dans la défense. Ailier gauche en puissance. Le ballon est contesté. En avant. Ballon rendu. Avantage en cours. Ils peuvent jouer. Il a perdu le ballon lors de l'impact. C'était un très bon travail défensif. Les fautes de main n'ont rien à voir avec le temps aujourd'hui. Il n'a simplement pas pu contrôler le ballon. Je me doute qu'il va être déçu. Flexion. Mêlée. Jeu. Brassard introduit ce ballon. Jusqu'ici, la défense résiste très bien. Elle est belle bataille, mais le ballon est disponible. L'ailier gauche, il a réussi à casser la ligne de défense. Ils sont plus nombreux ici. Cousteau remet la main sur ce ballon. Rodriguez qui se fait rafuter. Brassard le ramasse. Oui, il conserve le ballon. Il s'est rapidement remis sur ses pieds pour contester le ballon. Kalachnikov la remet vers l'arrière. Ils sont nombreux autour du porteur de balle. Brassard le récupère. Une passe courte. Il y va tout droit. Kalachnikov a pris cet intervalle. S'ils tiennent bon sur cette action, ils auront marqué des points. Picamol fait une passe. Ballon disponible pour les attaquants. Bon contest. Ouh, approché. Et le ballon est récupéré. En percussion sur la défense. Et ça sort. Et ce sera une touche. Il ne leur reste plus que quelques minutes pour faire quelque chose. Le numéro 7 le capte bien. Et il gagne du terrain grâce à ce maul. Bien calé dans les mains. Casale fait une bonne passe. Le ballon continue de circuler. Une passe pour son soutien. Il faut tenir. C'est le temps de la dernière chance. Et hop, il prend le ballon. Ah, il accélère. Au-delà de la ligne de 50. Le capitaine le récupère derrière. Qui est au soutien? Attention au crochet. Oh, quel plaquage! Un peu plus, c'était les urgences. Fonder prend le ballon. Il passe le ballon. Attention, il cavale. Abou le dégage. Le numéro 2 fait une passe courte. Plus que quelques mètres jusqu'à la ligne d'essai. Quel essai! Ils ont bien joué. Magnifique travail d'équipe dans la construction de cet essai.
Il se prépare pour la transformation. Allez, on fait pas plus facile comme transformation. Ça passe à côté des perches. Deux points oubliés en route. Ah là là, je crois que ce joueur va devoir s'entraîner au drop la semaine prochaine. Et l'arbitre siffle la fin de ce match. Cette victoire ne pourra pas faire de mal. Ils font même le plein de confiance. L'équipe de Montauban a été trop fort sur la fin. C'était un match plutôt convenable. Le nombre de plaquages manqués a été un gros problème. Ils devaient arrêter le porteur du ballon et ils ont été incapables de le faire. Il y a eu un problème avec les fautes de main. Il y en avait vraiment beaucoup aujourd'hui. Thomas et moi-même vous disons au revoir, à bientôt. Et bien voici l'apogée de cette compétition, la grande finale. Le chemin a été difficile pour en arriver là, mais maintenant, il ne faut plus penser à ça. Dans 80 minutes, nous connaîtrons le vainqueur. C'est le grand jour, la tension est palpable, gros effort consenti pour gagner le droit de jouer ce match. Et quel match en perspective! Mon consultant sur ce match est Thomas Lombard. Quelle ambiance, Thomas, ce soir! Ces deux équipes font toujours preuve d'une grande performance. Il y a des rafales de vent là-bas en bas, cela va certainement rendre les choses encore plus compliquées. L'écart de niveau n'est pas très important entre ces deux équipes. Le match peut aller dans un sens ou dans l'autre et tout va dépendre de la volonté de produire du jeu et bien sûr de gagner. Avec ces deux équipes et leur talent, ce pourrait être un très grand jour. Nous attendons maintenant que l'arbitre siffle le coup d'envoi. Et c'est parti! Coup d'envoi bien réceptionné. Dupont récupère ce ballon. L'ailier gauche qui le rafute. Le ballon est contesté. Le public n'en revient pas. Ballon récupéré. Récupération parfaitement exécutée. Le numéro 14 s'infiltre bien dans la défense. Ils vont obtenir une touche. Le numéro 5 récupère ce ballon. Attention à ce maul. Le numéro 1 le contrôle à l'arrière. En force. Quel plaquage! Un peu plus, c'était les urgences. Et il fait passer le ballon. L'ailier gauche qui attaque la ligne.
Dupont ramasse le ballon. La charge pour casser le plaquage. Toujours en possession du ballon, je crois. Fait circuler ce ballon. Attention à l'interception. Super interception, Eric. Beau travail des défenseurs, c'est un turnover. Les joueurs sont arrivés plus vite et ont réussi donc à récupérer le ballon. Le numéro 14 qui passe la ligne des 50. Il s'en sort, il a du soutien. Le troisième ligne côté fermé, qui a des soutiens autour de lui. Et c'est une touche. Le deuxième ligne le capte impeccablement. Le demi d'ouverture trouve du soutien avec un affût pas efficace. Ah, il va lui falloir du temps pour reprendre son souffle. Preynac pour un joueur lancé. Ballon dégagé en touche. Ce sera une touche. Arnold, le cap. Les joueurs dans le ruck font bien leur boulot et conservent le ballon. Ah, c'est une jolie passe. Une petite passe ici. Ça, c'est une belle course. Dupont fait circuler le ballon. Le ballon est intercepté. En avant, avantage en cours. Ah, il progressait bien, il s'est rapproché, c'est dommage, il doit s'en vouloir. Un bon contest, mais le ballon est toujours pour eux. Le ballon n'est pas contrôlé, mais il avantage est allé vers terminé. L'arbitre signale, avantage terminé. Là, il réussit à taper son coup de pied. Il a récupéré le ballon perdu. Le passe à un joueur lancé. Coup de pied à suivre. Qui va récupérer ce coup de pied à suivre? Il va au sol pour récupérer ce ballon perdu. Il est là, le ballon. Le troisième ligne côté fermé trouve du soutien. Jekyll charge. Oh, quel plaquage! Un peu plus, c'était les urgences. La charge sur le premier rideau. Le ballon disponible maintenant. Dupont s'empare de nouveau du ballon. Ah, il va lui falloir du temps pour reprendre son souffle. Il assure la passe. Épouvantable passe. Récupéré. Bien joué, jolie conservation de la balle. Bien joué la récupération. Leurs efforts sont bien récompensés. Il récupère le ballon perdu. Le numéro 10 avec une course rapide et puissante. Ballon récupéré. Leurs adversaires ont tenté de mettre la pression, mais ils sont parvenus à récupérer le ballon. Malgré tous les défenseurs, essai. Il est bien une espèce de construit cet essai. On peut voir qu'il a bien réussi à perforer la défense pour obtenir l'essai. Occasion de prendre deux points supplémentaires. C'est un coup de pied très important. Les deux équipes sont au coude à coude. Transformation réussie, sans problème. C'est reparti. Coup d'envoi réceptionné. Oh, quel plaquage! Un peu plus, c'était les urgences. Passe le ballon. Le numéro 15 passe le ballon. L'ailier gauche a manqué sa passe après contact. Et c'est une touche. Le numéro 5 récupère ce ballon. Ils ont vraiment été bons sur les touches jusqu'à présent. Ça fonctionne très très bien. Ah, bon sang, ils l'ont peut-être perdu. Il fait la passe. Il attaque la ligne. C'est une interception. Ah, il va lui falloir du temps pour reprendre son souffle. Faudrait libérer les ballons plus vite que ça. Transmet le ballon à son coéquipier. Percussion en puissance. Avantage. Le ballon sur cet en avant. L'arbitre qui laisse l'avantage. Ouais, il a perdu lors du contact. Le plaquage était bon. C'est moi ou le nombre de fautes de main augmente? Quel plaquage! Un peu plus, c'était les urgences.
Et il va à la mine. Et c'est un avant. Il aurait dû être capable de sortir avec ce ballon, mais il l'a perdu. 8-0 à la pause ici. Aucune des deux équipes ne s'est vraiment détachée en première période. Et voilà, tout le travail reste à faire en deuxième mi-temps, Thomas. Il cherche à occuper le quart adverse avec ce coup de pied en profondeur. Coup d'envoi bien capté et il fait passer le ballon. Quel plaquage! Un peu plus, c'était les urgences. Bon ballon de récupération. Les supporters de l'équipe visiteuse commencent vraiment à perdre patience avec toutes ces pertes de balles. Et je les comprends. Attention au drop. Malheureusement pour lui, à côté. Renvoi aux 22 mètres. Le centre. Et il réceptionne le ballon. Ses mains sont rudement lâchées. Il s'est rapidement remis sur ses pieds pour contester le ballon. 3 sur la défense. Il faut être plus méfiant avec ses passes après contact. Et maintenant, attention, un pacte en mêlée entre les deux packs. Jeu. Reina introduit ce ballon. Bonne poussée des deux packs. Passe courte. Le numéro 10 fait circuler ce ballon. Ce serait une bonne idée d'avoir du soutien. Attention, demi-tour. Il saute pour attraper le ballon. Rebond favorable, il récupère le ballon. Il a envoyé une jolie passe vers l'intérieur. Ah, il va nous falloir du temps pour reprendre son souffle. Reinach prend le ballon. Il repasse le ballon vers l'intérieur. Beaucoup de monde dans cette mêlée ouverte. Ils l'ont récupéré, bien joué. Dupont fait circuler le ballon. Droit sur la défense. Oh, la mauvaise passe. Et le ballon en touche. Et donc, ils vont obtenir une touche. Ballon chippé sur cette touche. Après cet avantage, retour à la mêlée. Alors, voyons flexion. Comment va se comporter cette mêlée. Mêlée. Les mêlées sont plutôt bonnes. Jeu. Ouh, énorme impact. Grosse pression, les deux paquets d'avant. Avec une passe courte, le numéro 13 trouve du soutien à l'intérieur. Gray le libère. Ballon porté qui avance. Bien structuré ce maul qui progresse. L'ailier droit le contrôle alors qu'ils essaient de grappiller encore quelques mètres. Burville la transmet. Ballon porté pour essayer de progresser. Un bon groupé pénétrant qui avance. Et ce maul qui continue à vouloir avancer. Gray avec une passe. Avantage. C'est clairement un en avant. Ils peuvent jouer l'avantage. Très bien respect. C'est mal lui en fait faux. L'action n'a pas abouti. On revient à la mêlée. Ah, il a juste perdu le contrôle du ballon à cette occasion. Et c'est une mêlée. Flexion. Des signes très encore. Mêlée. Jeu. Ouf, gros impact. Mêlée furieusement disputée. Jolie passe courte. Il fait la passe. Le centre qui passe vers l'intérieur. Nagusa en puissance. Et il tente le drop. Drop bien frappé entre les poteaux. Belle frappe, il est superbement exécuté et directement entre les perches. C'est reparti. Coup d'envoi réceptionné. Oh, quel plaquage! Un peu plus, c'était les urgences. Dupont assure la passe.
Il est vraiment excellent dans les passes après contact. Il a de la vitesse et des appuis. Le numéro 10 avec une longue percée. Il y est presque, c'est la ligne d'essai. Alors, difficile à dire. On va donc faire appel à l'arbitre vidéo. Il y avait une belle occasion de marquer là. Le ballon n'a pas été aplati. L'arbitre vidéo ne va pas accorder cet essai. Mêlée. Jeu. Dupont introduit ce ballon. Face vers l'intérieur. Ils vont marquer sur cette action. Arnold passe le ballon. Le numéro 14 expédie une passe courte. C'est un ballon mort, donc je suppose qu'ils vont plutôt choisir le renvoi 22. Bon, c'est un choix flexion pour le moins discutable. Mêlée. Il risque d'être sous pression pour libérer ce ballon maintenant. Belle poussée des deux équipes. Beaucoup de temps maintenant. Voilà, bon dégagement pour respirer un peu. Et très très belle touche trouvée. Et c'est la fin du match. Difficile pour eux d'être plus heureux. Et c'est fini, ils gagnent la compétition. Et la partie était intéressante. Ils ont clairement dominé dans la possession du ballon au cours de ce match et les statistiques le démontrent. Le problème dans cette partie a été le nombre important de plaquages qu'ils ont manqué. Eh bien, c'était un bon match. Salut à tous. On vous retrouve lors du prochain match.